Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, les vidéos Extreme SBR level 21-30 sur la version globale. On commence tout de suite avec l'Extreme SBR, forme géante. Je rappelle le principe des vidéos, première partie conseil et deuxième partie de vidéo gameplay tournée en stream. Vous avez de toute façon tous les timecodes dans la barre de timeline de la vidéo si vous voulez avancer au besoin. Donc on commence très fort avec cet Extreme SBR qui a été un enfer sur la version Jap. Parce qu'on n'a pas les ZTR Ozaru et j'ai pas Baby Vegeta. Vous avez d'ailleurs la playlist hein, si vous voulez aller regarder sur la Jap du coup ce niveau. Par contre prenez du popcorn parce que la vidéo dure je sais plus presque une heure hein, de mémoire parce que c'est très 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 long. Parce que cet Extreme SBR en fait même si c'est une catégorie très limitée, eh bien ça tabasse et les adversaires sont très résistants. Donc en gros c'est très chaud. Hein, voilà. Et d'ailleurs même là avec les Ozaru ZTUR et même si vous avez Baby Vegeta, faut pas croire que ça y est, genre on y va sans item, c'est la fête, non. Attention, hein, ça fait quand même bien bien mal. Donc attention. Alors on affronte quoi? On affronte 3 adversaires dans cet Extreme SBR, on a du coup, enfin 3 x 3. C'est tout juste le nombre d'adversaires où, bon bah tout ce qui est stun etc, c'est cool, mais bon du coup... Bah ça fait quand même 3 adversaires hein, qui font quand même assez mal. Hein. Donc attention évidemment. Ce qui va être assez important bien sûr ici. Et notamment en utilisant les formes géantes avec Tapion. Hein, évidemment l'idée et la stratégie c'est d'enchaîner les transformations avec Tapion. Et bien c'est d'essayer de kill vraiment un personnage quand vous avez la transformation le plus vite possible. Au début du combat vous avez Goku, vous avez l'avantage. Après il y a Piccolo, vous avez l'avantage. Et puis après bon ça vous doit en fonction de votre team. Qui vous allez focus, mais clairement essayer de kill un perso avec la transformation et de les enchaîner, mais on va y revenir. Donc au niveau des personnages intéressants, alors déjà au niveau des leaders, bah c'est simple, hein, c'est Tapion ou presque rien, mais c'est un peu plus nuancé que sur la version Jap parce que disons que comme il y a plus de bonnes unités, je pense qu'en vrai si vous avez pas Tapion, il est probable qu'en mettant Slug en leader, et si vous avez par contre attention hein, Slug en leader, mais du coup, ça sous-entend que vous avez quand même du lourd derrière avec les Ozaru ZTUR, voire Baby Vegeta LR, etc. Je dis juste que si vous avez ces persos-là, bah peut-être que Slug en leader, ça passe. Parce que sur la Jap, il y a tellement rien, il y avait tellement rien, que si t'as pas Tapion, c'est même pas la peine. Quoi. Je veux dire, c'est même pas la peine. C'est déjà, même avec Tapion, c'est déjà très, 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 très dur. Mais sur la globale, comme il y a plus de persos intéressants, eh bien, il y a peut-être moins de passer avec Slug. Après, t'as des leaders à 80%, hein, comme Cumber, d'ailleurs, qui est très bon. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez. Mais globalement, je pense que sans Tapion, ça va être quasi ingérable, hein, concrètement. C'est déjà assez difficile comme ça, donc bon. Évidemment, on va pas faire de miracle. Mais je pense que Slug, avec une bonne team à côté, ça doit le faire, mais ça doit être quand même assez pénible, malgré tout. Sinon, au niveau des unités, bon, ça va aller assez vite. Hein. Comme vous le savez, cette catégorie n'est pas très fournie. Baby Vegeta LR, bah, bien sûr, très bon. Hein, il va apporter pas mal de dégâts, du debuff, le mode Ozaru potentiel qui fait très très mal. Le Tapion, bah, c'est le leader. Et puis, accessoirement, bien sûr, il est très bon. Il tanque très bien, il debuff, il fait des dégâts corrects, voire pas mal en fonction des PV. C'est cool. Thomas, c'est nul. Goku, c'est nul. Bardock, Agi. Je crois que sur la Jab, je l'avais utilisé. Tellement il y avait rien en fait hein, et il mettait des dégâts sympathiques, c'est vous dire à quel point sur la Jap c'était un enfer. Donc ça peut dépanner, mais bon voilà. Metal couleur bien sûr hein, toujours une valeur sûre ici hein, des buffs en plus il y a le lien boss qui peut prendre avec Vegeta Ozaru et puis on a la transformation qui est vraiment assez forte. Thales Agi, c'est même pas la peine. Vegeta Ozaru, très bon, évidemment. Hein, les Ozaru ZTR, de toute façon, évidemment, je vous les recommande. Hein, ça met des bons 4 millions dans la tronche. Très bonne défense. Donc, une fois qu'on a attaqué, donc vraiment très bien. Bardock, c'est de la merde. Popuki, c'est de la merde. Vegeta, c'est très, 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 très moyen. Illimit, mauvais. Baby, c'est nul. Demigra, c'est pas mal. Hein, stun, voilà, on peut stun, etc. Donc, c'est assez cool. Bonne stat, globalement, ça va. Nappa, tout ça, c'est de la merde. Goku, c'est... C'est nul, zéro défense, Elipa c'est nul, Raditz évidemment très bon, le Piccolo, alors le Piccolo faut savoir que il debuff passif, donc il y en a qui l'avaient utilisé je crois sur la Jap, mais bon, c'est chaud, le Goku très bon, Totepo c'est à la limite, voilà, c'est un nuker, bon c'est ouais, vraiment pas ouf, la Rebrian c'est mauvais, le Cumber est très bon, il peut stun etc, donc ça, ça peut vraiment carry. Et puis Slug qui est tout juste moyen. Et Bergamo en vrai qui peut tirer son épingle du jeu Bergamo. Parce qu'en fait en gros il faut tu mets une Chichi en item, tu laisses Bergamo tanker. Et puis après il va avoir une défense de dingue. Donc ça peut être jouable mais il faut jouer avec Chichi. Alors d'ailleurs justement ça m'amène à ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. Sur cet Extreme SBR,
C'est vrai que souvent, les items, bon, on prend Wiz, Dragon, Baby, c'est 8. De manière générale. Mais ici, clairement, il faut ramener du Ghost, Ghost, Chichi. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous avez compris, l'idée, c'est de perdre des PV, passer en dessous des 50, et après de proc les tapions en boucle. Hein, donc comme ça, vous transformez tapion, vous réapparaissez, Ghost, hop, je proc le prochain tapion, et j'enchaîne, et ça fait une boucle, et vous enchaînez comme ça. Hein, c'est ça le principe de cet extrême SBR, c'était déjà le cas du SBR avant. C'est moins, on va dire que c'est moins fondamental avec les Ozaru. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans ma game, je suis parti à l'arrache, sans Ghost et tout. Alors, à base, j'ai pas fait exprès, parce que je suis lancé comme ça, j'ai la tête dans le guidon, j'ai dit, on lance. C'était bon, ça permettait de me nerfer un petit peu. Mais évidemment, c'est très important, si vous voulez, ramener Ghost et Chichi pour pouvoir enchaîner les transformations. Mais c'est moins fondamental dans le sens où Raditz, Vegeta et Goku sont très très bons. Et donc, du coup, même si on n'enchaîne pas les transformations, on peut très bien gérer avec eux. Hein, qui sont vraiment très bien. Donc voilà, du coup, j'ai ramené du lourd, hein, évidemment, vous l'avez compris. Je me suis fait plaisir parce que un peu en mode vengeance. Pour autant, je vous laisse regarder. Vous allez voir. Bon, bah sur ce, les amis, on va cesser là-dessus. Enfin, on enchaîne avec le gameplay. Bref. Bon, allez, let's go, on y va. Allez, Goku, attaque Piccolo, tant qu'à faire. Metal Cooler, attaque. Attaque Goku, vas-y. On va faire des dégâts, nous, on veut en terminer très vite. On veut aller très vite. Ouais, non, mais en vrai, c'est pas grave. C'est un peu à l'arrache. Mais c'est pas grave. Allez, Goku, enfant. 1 800 000. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, très bien. L'aspect de Gohan qui va taper combien? Ah, quand même! Ah, ouais, ça picote quand même un petit peu, hein, parce que bon, on a une bonne défense, là, quand même. Ouais. Ouais, faut pas sous-estimer le niveau quand même, hein. Faut pas sous-estimer. Goku, voilà. Voilà. Et Raditsu, attaque Goku aussi, comme ça. Bon, qu'un seul ki, malheureusement, mais bon. Mais si on peut kill Goku, ça serait très appréciable. Let's go. Allez, tapion. Tapion, oui. Petit debuff, pas d'additionnel, c'est dommage. Ils ont quand même beaucoup de PV, ces enfoirés, hein, vraiment, c'est... 4 millions Vegeta, oui. Ouh là 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 là, oui, ça fait mal. Oh là 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 là, Vegeta Ozaru qui se déchaîne, les amis. Et Goku dans la sauce, Goku décédé. 4 millions, oui, c'est pas mal. 3 millions Raditz, c'est pas mal aussi. Eh oui, hein, c'est... oui. Vous voyez les dégâts que ça ramène, hein, c'est ce dont cette team manque cruellement, en fait, à la base. Hein, les dégâts, bon, même la défense, d'ailleurs, qui est pas ouf, mais... Forcément, là, c'est une autre histoire, évidemment. Ça n'a rien à voir. Bon, ouais. Ah, c'est un peu chiant, là. On tue Piccolo avec Goku, mais j'espère qu'il le tue, parce qu'autrement... bon, si Gohan se paie à la fin, on est mort, je pense. Hein. Il a se paie devant, donc... Quand même. Ça fait mal, quand même, hein, ça fait mal. Bon, on est en désavantage type, c'est normal aussi, mais... Bon. Allez, Piccolo, t'es mort. Enfin, je pense que t'es mort, quand même. Voilà, et Baby qui va pouvoir appliquer un debuff supplémentaire sur Gohan, voire deux s'il y a additionnel, éventuellement. Voilà, 50k dans la tronche et Metal Cooler qui va se transformer. Parfait, très bien. Petit critique. Voilà, additionnel. Non, l'aspect de Gohan. D'accord, 530k dans la tronche, ok. On va pas le tuer, hein, C'est vrai qu'on proc boss avec Metal Cooler, hein, c'est assez marrant ça, mais... C'est vrai qu'on proc le lien boss, c'est appréciable. C'est appréciable. Bon là, par contre, vous savez, si jamais on crit pas, on le tue pas. Hein. Je déconne même pas. Hein. Là, si aucun des trois crit, on le tue pas, Gohan. Ah ouais. Bon, un crit, il est mort, hein, mais si on crit pas... Ah ouais. Donc si se peut, on est mort, hein, évidemment. Mais il y en a bien un qui va crit. Bon, déjà deux qui n'ont pas crit, mais il y en a bien un qui va crit quand même.
Aïe aïe aïe. Bon. Le 13 est LR, hein. Le 13 est LR, de toute façon, on voit même pas ses PV. On voit pas ses PV. Le retour du trait, de toute façon, à chaque session Battle Road, c'est comme ça. Hein. Aïe. Tapion, on enchaîne. Ah là, et c'est là où j'ai... Bon, zappé, je suis con, moi. J'ai pas pris le ghost. Après, on aurait pu enchaîner sans problème, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Piccolo, on va te sécher. Vite fait, bien fait. La petite additionnelle qui va nous permettre à 100% de kill avec la prochaine attaque spé. Voir, il est mort, en fait. Il est mort. On enchaîne avec Vegeta. Et là, si on a de la chance, la transfo dure 3 tours. Hein. On rappelle. Hein. 3 tours. Pas 3 tours. Pas 3 tours. Ok. Bon, on revient sur le plateau. Et là, on va être obligé d'item, évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. Mais après, franchement, on est bien. Hein. Avec l'IB, avec le niveau de défense qu'on a. Bon, après, j'avoue, je suis pas sûr que Baby encaisse quand même. Hein. Vegeta, oui, parce qu'il va gagner en stats. Mais Baby, s'il prend les deux spé dans la gueule, je suis pas sûr qu'on tienne le coup. Mais bon. Après, idéalement, on kill Vegeta avant. Peut-être. Peut-être pas. On n'a pas la spé ultime. Bon. Espérons qu'on mange pas double spé à la fin. Parce que autrement, je pense que ça va être un petit peu tendu. Mais. Bon, après, on va double debuff Vegeta. Donc, ce sera déjà ça de prix. Allez, vas-y. Tapion, double spé, double debuff. Donc, ça, c'est cool. Voilà, très bien. Parce que là, s'il y a des spé, elles sont sûrement à la fin. Hein, malheureusement, vu qu'ils ont spé au début de tour avant. 3,8 millions pour Vegeta. Très appréciable. Une double SP ne serait pas de refus. Non. Bon bah Vegeta quasiment, mais ça sent le 13 LR quand même. Hein. Ça sent le 13 LR encore, hein, je voudrais pas dire. Ah non bah non. Si. Ça sent le 13 LR, oui. Critique il est mort, mais autrement. Eh bah le critique. Mais autrement, sans critique, c'est le trait. Hein. C'est le trait. Je vous le dis tout de suite. Donc, plus d'items actifs. Mais bon. Ah non, il n'y a pas de. Mais non. Ah, fait chier là. Y'a pas de qui, y'a pas de qui. Quand on a plus d'item actif, donc. Un peu chiant. Là, on va debuff une fois. Là, on prend nos stats, mais. Y'a pas moyen qu'il prenne 400k après avoir pris ses stats. On a 170k def, y'a pas moyen. Franchement, ça serait n'importe quoi. Là, on a pris 500 sur Hildegarde, qui a pas de défense et qui a contre tout, voilà. Non, au coup enfant, tant que l'aspect si jamais il y en a une. Ouais, y a pas moyen là. Oh, bon, bah, on va vite le savoir. Hein. Voilà, bah oui, quand même, bah oui, voilà. Bah oui, mais bien sûr. Merci Tolo Polo pour le subprime, bienvenue, merci beaucoup, bienvenue dans la team sub, frérot, merci. Mais bien sûr, bon, 300k quand même, mais ça va, voilà, on peut l'encaisser, on peut l'encaisser. Ouais, puis accessoirement, ça nous permet de passer sur Hildegarde. Bon, très bien, ok, oui. Allez, Hildegarde, oui. Hildegarde. Ouais. Ah, y'a pas de 3 tours. Bon. Mais on a Raditsu. Raditsu qui peut violenter. Ouais, par contre, niveau PV, on est quand même. Bon, c'est. Ouais. Bon, en vrai, je pense que Raditz le kill, hein, Goku, sans problème, mais... Ouais, j'aurais dû garder les deux à côté, là, mais... En vrai, j'aurais dû garder Tapion, mais... Vas-y, j'ai envie de garder les Ozaru, parce que voilà, c'est... Ah oui, quand même. Ah ouais, 25k dans la gueule, oui, quand même. Bon, allez, ok... Ah si, ouais non ouais. Bon alors qu'est-ce qu'on fait de qui on se débarrasse en premier en vrai? Parce que finalement dans notre team Bon on a Raditz qui est puissance, en plus je l'ai garé dans la rotation. Ce serait quand même pas trop mal de virer Tapion quand même. Bon, on espère que la transfo. Que la transfo dure 2 tours quand même. Alors là par contre les gars c'est une dingue.
Alors là, la dinguerie. Allez, allez, c'est parti. Allez, ça pique. Allez, go critique là. Non, mais c'est pas un critique ça, l'aspect de tapion. Combien? Ah, quand même. Ah oui, 600 000. Ah oui, ça tape encore plus fort qu'au début en fait. Allez là, let's go. Voilà le critique. Pas d'additionnel, dommage. Allez, go crit. Additionnel. Deux tours. Deux tours, deux tours, deux tours. Oui, deux tours. Deux tours, let's go. Let's go, ça, deux tours. Mon tapion. Mon frérot. Et dans la sauce. Bon, pas sûr qu'on le kill, sachant que là, en plus, on va avoir que de la première spé, mais... Mais, bon. Si on crit, il y a moyen, mais sinon, ça va être un peu chaud. Ah, pas de critique. Ah, il a pas envie, hein. Il n'est pas motivé, baby, hein, quand même, hein. Pas motivé. Pas motivé, garçon, hein. Pas critique, pas d'additionnel. Bon, ok. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire avec, mon frère, on va faire avec, je te pardonne. Bon, là, par contre, évidemment, on va item, hein, faut pas déconner. Donc, on va mettre un C8, hein, parce qu'on est quand même vachement bas. Et puis, ah oui, quand même, ah oui, ouais, c'est, ouais, oui, c'est assez vénère quand même, hein, la défense, quand même. En vrai, ça passe pas, hein. C'est, on a une bonne défense, mais c'est, on va prendre quand même 200k facile, voire plus, donc, sachant qu'il tape plus fort que dans le combat précédent, donc, ouais, on va save. Bon, tapion, il serait temps de crever, mais, est-ce que tapion va te kill? Est-ce que tu vas te kill toi-même, en fait? C'est ça, la question. Bon, je suis pas certain, vois-tu. Est-ce que tu vas te kill toi-même? Bah, espérons, parce que sinon, ça fait chier. Ouais, non, ça fait mal, hein. Faut vraiment pas sous-estimer les dégâts de cet extrême SBR, hein, ça pique. Hein. Et voilà, il l'a pas kill du tout. Ah, ok, bah allez, là, mais tue-le, la merde. Oh, allez, là. Ah bah voilà, c'est ça, tu vois quand tu veux. Bon, les métal couleurs, bon, le combat va se terminer assez vite, hein. Clairement. Allez, métal couleurs, un petit debuff. Voilà. Très bien. Allez, l'aspect de Goku, je la sens. Pas du tout. Allez, baby, qui a tous ses bonus, là. Il y a du sang mêlé, il y a du sang pur, donc il y a tous ses boosts. Et donc, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Pas de critique, c'est dommage. Mais, ouais. Ça fait mal. Bon, l'aspect, du coup, on prend combien là? Bon, double item, je pense qu'on prend pas grand chose quand même, mais heureusement. Mais quand même 130k, hein, donc oui. Bon, on serait pas mort, hein, y a pas eu de spé, mais bon, on aurait pu clairement y passer. Ok, bah, écoutez, bah là, de toute façon, là, on y va sans problème, hein, on a double item. Hein, par contre, niveau ki, j'aurais préféré, on va plutôt faire ça. Ou alors, de toute façon, le combat va se terminer en Resoon, là, mais... Vas-y, on attaque Trunks. On attaque Goku. Vegeta, bah, attaque Goku aussi, hein, tant qu'à faire. Dokkan Mode au prochain tour, hein. On a quasiment terminé sans le Dokkan Mode. Quasiment, mais en même temps, comme il y a les modes aux Aru, évidemment, ça n'avance pas le Dokkan Mode. C'est pas si choquant que ça, mais quand même, 3 600 000, le Raditz, hein, les éthéros aux Aru sont quand même assez impressionnants. Hein. C'est sûr que là, allez, Vegeta qui va monter à 4 millions, non mais quand même, hein, les gars, 4 millions. Les liens sont même pas montés, enfin... Dommage qu'on ait pas crit, sinon c'était déjà terminé. Ah là, le problème, c'est Trunks. C'est un Trunks qui attaque sur tous les slots. Donc Trunks, là, il me met une spé sur Metal Cooler, je suis one shot. Même au niveau des kills, là, attends, les verts, est-ce qu'ils descendent correctement? Si, ouais, ils descendent correctement. En vrai, Dokkan Mode, Goku crève. Enfin, j'espère bien, quand même. Après, est-ce que Trunks...
Je suis obligé de la tenter, les gars. Je suis obligé. Je peux pas. Je suis obligé. Aspect de Goku. Oui. Je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Je peux pas. Je suis obligé. Mais Trunks va pas spé sur le seul slot. Il faut pas qu'il spé. Et non. Eh bien sûr que non, il va pas spé sur le seul slot. En plus, il vient de spé juste avant, donc non. Ah non. Il m'a spé juste avant. Il m'a spé sur le seul slot. Ah, Goku n'est même pas mort. Ah oui, le Dokkan mode du pauvre, là, c'est... Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment le Dokkan mode de la misère, là. Le trait. Allez, allez. Mais allez. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr.